Salut les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Là je suis revenu dans un effort que j'ai fait et vous avez l'air d'avoir apprécié la vidéo parce qu'il y avait plus de 200 000 vues. D'ailleurs je vous remercie pour le suivi, pour les commentaires et tout ça. Maintenant il y avait une partie noyée et à chaque fois que je tombe sur des parties noyées dans l'effort, à chaque fois je m'interroge, voir ce qu'il y a au fond. Et là vu que le fort est complètement enterré, les autres forts, je vous aurais dit, bah tiens, ça mène là et on sait y accéder par l'autre côté. Mais là, du coup, si j'arrive à aller voir ce qu'il y a là de l'autre côté, ben en fait, on sait pas parce qu'il y a personne qui a mis les pieds depuis que c'est noyé, donc depuis les années 70, je pense. En tout cas, tout ça pour vous dire que je vais essayer de mettre un sous-marin. Donc voilà, c'est un nouveau joujou d'exploration que j'ai acquis il y a pas longtemps. Et du coup, je vais le tester ici pour la première fois. Je me suis un petit peu entraîné à le piloter parce que c'est pas évident, c'est un drone professionnel. Donc ça, c'est un ROV professionnel. Donc là, je vais pas vous montrer tout le fort. On va directement aller au point où il y a l'eau. Et maintenant, il y a un passage assez étroit. J'espère que ça va passer avec tout mon bordel ici. J'ai ce gros sac là, j'ai mon petit sac. Donc là on se retrouve devant l'étroiture avec un petit passage pour aller jusque là forcément pour que ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, d'ailleurs je vous invite à aller la voir avant celle-ci, comme ça vous aurez une idée du fort. J'ai fait deux vidéos sur ce fort déjà. J'ai fait une partie beaucoup plus souterraine où on voit vraiment tous les égouts et tout ça. J'ai rempli clairement pourri en fait cette fois-là. J'ai fait une vidéo il y a longtemps qui a lancé ma chaîne, clairement. J'avais pris un bateau et j'avais été dans un fort. Et en fait, on se retrouve dans le même tunnel que ce fort-là. Donc, je sais logiquement dans n'importe quel fort où ça mène. Sauf que celui-ci, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il soit complètement enterré, complètement remblayé. Et est-ce qu'ils ont remblayé de l'autre côté? Ou alors, est-ce qu'on a accès à des galeries que ben, on ne sait pas aller parce qu'il y a de la flotte? Clairement, pour aller mettre du truc de plongée là-bas, laisse tomber, ça sert à rien. Donc là, c'est parti, go! Et là, maintenant, le problème, c'est qu'il y a un couloir de 600 mètres. À chaque fois, dans les vidéos, je viens et je le montre, mais l'écho... C'est violent, surtout en solo, j'adore ça. Avec mon sac qui touche le plafond. Et d'ailleurs, petit détail, j'ai pris un sac poubelle pour ramasser les crasses au retour. Et je déposerai le sac devant le trait. Comme ça, bah, si la commune passe, ils verront un sac, ils vont me prendre, j'espère. Histoire de ramasser un peu les crasses. Je trouve que tout le monde devrait faire ça. Ceux qui explorent des forts et qui explorent des endroits, ils viennent avec un petit sac. Il est dans mon sac, ça ne prend pas de place. Et sur le retour, ben, on ramasse contre le bout. Puis voilà. J'ai chaud. Et là, je rappelle pour ceux qui vont déjà mettre en commentaire, il est tout seul et tout ça. C'est la troisième fois au moins que je viens dans ce fort-là. Je connais par cœur. Maintenant, il peut toujours arriver quelque chose. Il y a des gens qui sont courants que je suis ici. Donc, j'ai une heure pour sortir. Si je ne sors pas, c'est eux qui viennent voir. S'il vous plaît, essayez de prévenir de vos proches, de prévenir des gens où vous êtes, où est garée votre voiture, savoir s'il y a du mouvement. Enfin, voilà. Il faut vraiment se renseigner. J'ai chaud. Je suis mort. Et donc là, je vais me taper toute la marche là. Et là on va prendre les escaliers qu'on peut voir ici pour aller dans la partie principale du fort. Et moi je vais aller directement au passage assez étroit quand même. On va voir si ça passe. Et donc on se retrouve là-bas, c'est parti, go.
passage qui est vraiment étroit. Donc j'espère que je vais pouvoir passer avec mon sac. Quand on voit le délire du truc. Hop, vous voyez, c'est un éboulis. Et il faut que je passe mon sac là-dedans, tout en faisant attention au sous-marin qui est à l'intérieur, évidemment. Donc c'est parti, à mon avis, je vais devoir faire deux trajets. Je vais devoir escalader, désescalader deux fois, mais j'ai pas le choix. Je suis tout seul, donc voilà, c'est parti. J'ai pris une sangle pour pouvoir le tirer en mode spéléo. C'est toutes les blocs là, vous voyez, ça tient pas très bien. On va faire le fou ici. Voilà, le plus dur est passé. Donc là, je viens de passer l'étroiture. La fameuse cage d'escalier qui est complètement défoncée. Oh, donc là, je vais aller pouvoir enfin me mettre avec mon sous-marin peinard. Là, c'est que de la marche maintenant. En fait, ici, on se retrouve dans la salle de rassemblement du fort qui est complètement fermée. Je devrais avoir un détecteur. Je devrais avoir un détecteur multigaz avec moi. J'en ai pas. Donc le moindre signe, je chipote pas, je remballe tout et je me casse. Si je commence à avoir mal la tête et tout ça, un peu de fatigue. Là je suis en pleine forme, donc je le sentirai tout de suite. J'ai pris à boire et tout ça, donc voilà. Donc là on va aller se mettre au bord de l'eau. Enfin, on va aller se mettre là où il y a la flotte. En espérant qu'il y ait toujours de l'eau, sinon ça sert à rien, tout ça pour rien. Du coup je le ferai à pied. Ça se fait, ça va aller sur 5 mètres et puis c'est fini. Mais je suis trop curieux, il faut que je voie. Et c'est un bon petit entraînement avec mon sous-marin. Donc c'est parti, go.
voici la bête. J'ai 6 mm d'éclairage. Ça fait moins 4K. J'ai une profondeur de 100 mètres. J'ai 100 mètres de câble. La télécommande. Je peux avoir un retour dans un casque VR. Là, j'ai pris une tablette. Il peut avoir un pilote et un spectateur. Donc là, du coup, on va essayer de le mettre là. Le problème, c'est que pour le mettre à l'eau, il faut. Je suis désolé pour les. Je vais essayer de le mettre dans l'eau. Le problème, c'est qu'il y a une profondeur minimum. Donc ça va être assez compliqué. On va voir comment ça se passe.
Bon bah du coup, j'ai quelques trous de réglage. Je sais pas pourquoi il parle à droite comme ça à chaque fois, donc c'est un peu chiant. Maintenant on a pu voir que c'est un cul-de-sac. Je m'en doutais un petit peu. Le four était complètement oublié, je vois pas pourquoi par là ça serait ouvert pour encore une galerie. C'est un peu dommage quand même, mais c'est plutôt sympa. Les images elles déchirent, franchement la qualité c'est incroyable. Donc là je vais remballer un petit peu le matos, un peu essuyer tout parce que c'est dégueulasse. Et du coup je vais repasser et repartir en nettoyant un petit peu quelques grasses sur le chemin. Voilà les potes, on arrive à la fin de la vidéo. Je suis dégueulasse, je suis repassé avec tout mon bordel dans les toitures là. On a pu voir ce qu'il y avait. Moi j'avais un petit doute que ce soit effondré au fond, enfin en tout cas reblayé. Maintenant de là avoir une petite bouteille et des pneus et tout ça, je m'attendais pas à ça. Ça veut dire que bah, y a eu du passage avant forcément dans les années 70. Mais je trouve l'idée plutôt sympa d'aller mettre le sous-marin là-bas. C'est qu'un début, je vous concocte de belles petites vidéos avec ce jouet là. Et y compris en Meuse, on ira faire de la prospection sous-marine. J'ai une pince qui s'attache au drone. Je t'invite à aller voir la première vidéo, la deuxième vidéo et puis celle-ci, comme ça tu auras une idée de l'ensemble du fort. Comme ça tu les regardes dans l'ordre et au moins tu auras vu l'entièreté du fort là du coup. Parce que là c'est vraiment un passage où bah, t'as personne qui a pu aller voir. Et là la seule caméra qui a pu aller voir c'est mon sous-marin. Donc c'est plutôt sympa. J'espère que ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification, comme ça tu seras au courant des dernières vidéos. Il y aura des vidéos de sport extrême, des vidéos de sous-marin, des vidéos d'exploration, de spéléo. Attends. Et moi je parle là. Ouais. Tu vois là je suis tout seul, donc du coup je fais attention. Comme je l'ai dit aussi, je vais aller ramasser quelques crasses ici avant de partir, histoire de remplir un petit peu. Je pense que j'ai vu quelques trucs freiner et ça fait un moment que j'ai vu des canettes de bière et ça me saoule à mort. Donc, pour ceux qui ont l'idée, prenez toujours un sac avec vous, comme ça au moins on nettoie. On fait pas que de l'exploration à l'arrache aussi, parce qu'on sait bien que, quand on sait bien comment ça va. Il y en a beaucoup qui se lancent, qui foutent la merde et qui jettent leurs crasses. Du coup, je vais essayer de remplir un petit peu de sac ici. Franchement ça va encore quand je compare à certains forts de toute crasse. Mais vous voyez ici ça m'énerve. Par là c'est propre. Voilà. Un jour peut-être il faudra venir vider l'entrée. Je sais pas que ceux qui ont eu l'idée aussi. En tout cas je vous félicite. Ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même des gens qui respectent. Donc voilà. Allez je sors, j'en peux plus là. A plus les potes.